Fat, il m'arrive un truc de ouf. Fat. Quoi? Il m'arrive un truc de malade. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Non mais sans déconner, un truc de barjot de gueudin. Toujours des trucs de fou. J'ai failli me faire bouffer, je te jure. Attends, non mais sans déconner. Attends, je finis là. Non mais, putain, Fat. Ouais, ok. Je vais voir. Désolé, c'est ça, c'est Il m'arrive un truc de malade. Ils sont à quoi? Je sais pas. Un mec du cas, je te jure. Non mais arrête. Il faut une solution. Je sais pas quoi faire. Des trucs ils sont comme ça, ils ont fait une violée. T'as plein de mouches. C'est pas des mouches, c'est des frelons. On peut monter dessus. Je te jure. Impossible. Je suis dans la merde, j'ai des gamins, c'est dangereux. Tu connais personne, je sais rien. Ah, mais ça, c'est une mission pour des frelons. Vous avez un problème de frelons? Vous êtes pris pour le combat. Ça tourne. Ah, putain, j'ai oublié le texte. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, un petit nid de frelons, voire deux petits nids de frelons. Allez, je vais vous montrer ça. Dans une maison, deux nids de frelons côte à côte. Des frelons asiatiques, bien sûr. Allez, on va vous montrer ça. Après le petit chemin. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y en a un là et un là. Donc je vais mettre l'échelle, m'habiller et je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Donc il faut faire attention parce que c'est du travail en hauteur. Donc ça reste quand même un peu dangereux sur une échelle. J'aurais pu utiliser une perche, mais bon, j'avais envie de vous montrer quand même de près le nid. On va se mettre à l'ombre un peu. Voilà, on est sur des nids de frelons asiatiques. Donc vous avez le premier qui est là. Tout petit. Je commence à me faire attaquer. Et là, vous avez le deuxième. Un peu plus gros. Faire vraiment attention. Du coup, à côté, vous avez des nids de rondelles qui sont partis, à cause des frelons. Donc là, je me fais attaquer des deux côtés. On va essayer de traiter ça. J'étais obligé de couper la caméra pour traiter, parce que sur une échelle avec un bras, c'est pas facile. Donc voilà, je vais traiter. Regardez quand même comment ça vole. Donc là, vous avez les frelons qui sortent, hein. Ils ont pris la poudre. Et on va regarder le deuxième. Un peu moins de monde, mais les frelons sont toujours là. On va faire un petit coup.
Allez, la première galette. Donc ça vole assez, il y a du monde. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu deux nids de frelons asiatiques, c'est plutôt rare d'en voir aussi près. Mais ça arrive de plus en plus. Voilà, les frelons s'adaptent, surtout l'asiatique. Donc faire très attention de jamais faire soi-même. Appelez toujours un professionnel. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les bébés.